Bonjour et bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est le recyclage des produits électroniques. Alors, les objectifs de cette présentation comprendre l'importance du recyclage des appareils électroniques, savoir où recycler l'électronique et agissez. Alors, la prochaine fois qu'un de vos appareils tombe en panne, allez le recycler. En premier, pourquoi recycler les appareils électroniques? Ici, on a un peu d'informations. Ils contiennent de nombreuses ressources précieuses utiles, comme l'or, l'argent et cuivre, que nous voulons récupérer et réutiliser. L'or extrait par Apple à partir d'appareils électroniques recyclés en 2015 s'élevait à 40 millions de dollars. Aussi, la fabrication de l'électronique consomme beaucoup d'énergie. 81% de l'énergie totale associée à un ordinateur est utilisée pour la fabrication. Le recyclage des appareils électroniques permet de ne pas avoir à produire autant de nouveaux appareils et de ne pas consommer autant d'énergie et d'utiliser autant de ressources naturelles. 1 million d'ordinateurs portables peuvent économiser suffisamment d'énergie pour faire fonctionner près de 4 000 maisons pendant une année entière. Et cette information vient de Hack en 2019. Troisièmement, de nombreuses ressources utilisées pour fabriquer votre appareil, comme votre téléphone intelligent ou votre laptop, ont des processus d'extraction nuisibles à la santé des travailleurs et ou à l'environnement. Si vous recyclez, vous réduisez la demande d'extraction de nouvelles ressources. Par exemple, cobalt constitue 60% des batteries lithium-ion. Il a été signalé que des mines se déversent dans l'eau et le sol. Le sol serait devenu infertile et l'ingestion d'eau contaminée par le cobalt peut provoquer des maladies pulmonaires, une insuffisance cardiaque et éventuellement un cancer. Alors là, on a un peu plus d'informations sur ces statistiques. Alors ici, on a les matériaux qui composent l'iPhone et on voit qu'il y a aluminium, carbone, oxygène, fer, silicium et cuivre et cobalt et beaucoup d'autres ressources toxiques. Et puis, on a la composition matérielle des ordinateurs personnels. On a aussi aluminium, le métal ferreux, les plastiques et le silice ou le verre. Et la source vient de Environnement Canada. Alors, le recyclage versus la décharge. Pour le recyclage, seulement 20% des vieux appareils électroniques dans le monde sont recyclés dans ce moment. Certains endroits, comme la Californie, ont développé des politiques pour imposer le recyclage des appareils électroniques. La Californie utilise une taxe de recyclage payée par les consommateurs des appareils électroniques. Et la décharge. Mondialement, 80% des anciens appareils électroniques dont les gens se débarrassent finissent dans les décharges. Les matériaux toxiques qu'on a mentionnés, comme le plomb, le mercure, le cadmium, etc., peuvent s'infiltrer dans l'environnement autour de la décharge. Les déchets électroniques sont le type de déchets qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Mais ce n'est pas clair et net. De nombreux recycleurs n'ont pas les pratiques les plus éthiques ou les plus respectueuses de l'environnement, malheureusement. 50 à 80% des déchets électroniques sont expédiés à outre-mer, dans des pays en développement, comme je l'ai dit avant, où les travailleurs ne sont pas suffisamment payés et sont exposés à des substances dangereuses. La qualité des matériaux recyclés issus du recyclage électronique
diminue à mesure que les nouveaux appareils sont fabriqués avec des matériaux de moins en moins chers. Ils contiennent donc moins de métaux précieux et sont plus difficiles à réparer ou à récupérer. Tout ça, c'est-à-dire que le problème n'est pas clair et net et on devrait penser beaucoup à ces choses-là. Mais il y a encore de l'espoir et des raisons de recycler. Il existe de grandes organisations qui consacrent à l'amélioration des normes de recyclage électronique, comme l'ERA, l'Association de recyclage électronique au Canada et aux États-Unis, et l'ISRI, the Institute of Scrap Recycling Industries, aux États-Unis. Même si les matières premières utilisées dans l'électronique perdent de leur valeur, il est toujours essentiel de recycler pour éviter le lessivage dans les décharges et économiser de l'énergie. Alors, comment pouvons-nous recycler les appareils électroniques? Il existe deux grandes catégories de recyclage électronique: remise à neuf et réutilisation ou nouvelle utilisation. Premièrement, remise à neuf. Dans cette filière de recyclage électronique, des pièces de votre ancien appareil seront utilisées pour fabriquer un autre appareil remis à neuf. Cette option s'adresse à vous si votre appareil est encore en bon état de marche, mais que vous avez besoin d'un nouvel appareil pour une raison quelconque. Vous pouvez souvent retourner votre ancien appareil à l'endroit où vous l'avez acheté. Souvent, vous obtiendrez de l'argent ou un crédit pour un nouvel appareil. Chez Apple Canada, vous pourrez obtenir jusqu'à 60$ de valeur de reprise pour un iPhone 6S, par exemple. Et deuxièmement, réutilisation ou la nouvelle utilisation. Si on utilise l'exemple d'Apple encore, Apple a mis en place un programme de recyclage des appareils électroniques dotés de technologies avancées. Alors, apportez votre appareil à votre magasin Apple local et ils le recycleront gratuitement. Si vous allez au site web d'Apple, vous pouvez trouver le magasin Apple qui est plus proche à vous. L'ERA, l'une des organisations mentionnées précédemment, propose également des programmes de recyclage. L'ERA offre des lieux de dépôt dans tout le Canada ainsi qu'un service de ramassage. Le recyclage dans les magasins d'Apple. Si votre appareil est en bon état et que vous souhaitez acheter un nouvel appareil, vous pouvez échanger votre ancien appareil contre un crédit magasin ou une remise sur votre nouvel appareil. Si votre appareil n'est pas en bon état, Apple peut toujours le recycler. Cela se fait par donation. Reprise d'Apple. Vous pouvez soit vous rendre en personne au magasin d'Apple pour échanger votre appareil, soit suivre les instructions en ligne pour envoyer votre appareil si vous ne voulez pas aller en personne. Si vous préférez aller en personne, c'est un peu plus simple. Vous pouvez trouver votre magasin local en le sélectionnant dans le menu déroulant en haut de cette page, et voici le lien. Vous pouvez également suivre ces guides pour préparer votre ancien appareil en vue de son échange, pour vous assurer que vos informations sont en sécurité. Alors, il faudrait effacer toutes les informations sur votre appareil avant que vous faites votre échange pour protéger vos informations. Alors, ici, on a un guide pour l'iPhone, l'iPad ou l'iPod Touch. Ici pour Mac et pour Apple Watch. Si vous préférez faire le processus en ligne, après l'achat de votre nouvel appareil en ligne, les instructions d'expédition en ligne vous seront envoyées par email. Une fois que vous êtes entré sur le site web d'Apple, et on a le URL ici encore, explorez les produits et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez acheter, la couleur et la taille de stockage. Enfin,
Une question vous sera posée sur l'échange de votre appareil. Cliquez sur « Oui » si vous le souhaitez. Et ici, on peut le voir. Avez-vous un iPhone à échanger? Si c'est vrai, cliquez « Oui ». Les entreprises suivantes proposent également des programmes de reprise électronique pour les appareils non-Apple. Amazon, qui est le site web associé, et Fobio. Best Buy, It's Worth More et Buyback World. Maintenant, pour le ramassage ERA. Sur le site web de ERA, vous pouvez réserver un ramassage. Choisissez Ramassage simple. Ensuite, vous sélectionnez le nombre d'appareils, tapez votre nom, votre courriel, votre numéro de téléphone et votre ville. Et ici, on a aussi l'option de ramassage avancé. Si vos appareils sont un peu plus difficiles à ramasser. Ou on a l'option de visiter un dépôt ERA. Faites défiler jusqu'au bas de leur page d'accueil et vous y trouverez les noms de quelques grandes villes du Canada et des États-Unis. Cliquez sur votre ville ou sur la ville la plus proche de chez vous si vous habitez dans une ville un peu plus petite. Ici, on peut voir qu'il y a des emplacements à Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Saskatoon et Montréal au Canada. Une fois que vous aurez cliqué sur votre ville, vous verrez une grande image avec les questions et « Nous contacter » sur le côté. Faites défiler jusqu'au bas de l'image pour voir les informations sur votre dépôt local. Par exemple, sur la page de Montréal, vous pouvez voir l'adresse du dépôt qui est ici et le numéro à appeler pour apprendre plus d'informations et pour planifier une visite au dépôt. Vous pouvez appeler le numéro local, comme j'ai dit, pour obtenir plus d'informations sur des sujets tels que les heures d'ouverture des magasins et la manière de préparer les appareils électroniques pour le recyclage avant d'y aller. Plus des sites à visiter, on a Best Buy, comme mentionné. Vous pouvez recycler les vieux appareils électroniques, y compris les cordons et les piles, chez Best Buy. Il suffit d'apporter vos articles au comptoir du service à la clientèle et de mettre les piles dans la boîte Call to Recycle. Vous pouvez faire tout ça gratuitement. Visitez le site web pour savoir quels articles sont acceptés et pour obtenir plus d'informations. Et voici le lien. On a aussi le site web Recycler mes électroniques, uniquement pour les personnes qui habitent au Canada. Quand vous êtes au site web, cliquez sur la province dont vous habitez, puis saisissez votre code postal ou votre adresse pour voir une carte de tous les endroits près de chez vous où vous pouvez recycler vos appareils électroniques, y compris les bureaux des services publics, les magasins de détail pour la remise à neuf et les fournisseurs des services OES, réglementation stricte en matière d'environnement et de travail. Alors ça, c'est une ressource très utile et l'URL est juste ici. Maintenant, faisons une brève démonstration du site web de l'ERA. Pour arriver à ce site web, vous pouvez soit cliquer sur le lien fourni sur cette présentation, soit faire une recherche sur Google, simplement par écrire ERA. Et là, on voit c'est la deuxième option ici, Canada Wide Electronic Recycling. Ça dit Canada Wide, mais on peut aussi l'accéder aux États-Unis. Premièrement, si on veut changer la langue, il faut simplement cliquer ici où il dit FR. Et maintenant, on a le site web en français. Alors, comme on a dit dans la présentation, pour planifier un ramassage, vous pouvez cliquer ici ou ici. Et puis, il faut remplir toutes les informations qui demandent, comme
le nombre d'items. Et là, on a moins de 25 items, moyen 25 à 50 et important qui est plus de 50. Alors, si vous avez beaucoup, beaucoup d'objets ou de produits électroniques dont vous voulez recycler, vous pouvez le faire. Et puis, il faut écrire votre prénom et nom, le nom de l'organisme dont vous appartient, si vous avez un, votre courriel, numéro de téléphone et votre ville. Puis, il faut cliquer « Je ne suis pas un robot » et « Soumettre ». Et après, vous serez envoyé un email avec plus d'informations. Et là, on a le ramassage un peu plus avancé et en plus des informations de base, il vous demande la description du matériel, la suppression des données personnelles, les prérequis d'inventaire et des autres commentaires. Si on retourne à la page d'accueil, et si je défile jusqu'au bas de cette page, je vois maintenant les emplacements des dépôts. Alors, comme j'habite à Vancouver, je peux cliquer ici. Et maintenant, si je veux planifier un ramassage à Vancouver, je peux cliquer. Ou si je défile, il me donne les informations. Alors, l'adresse, je vois que c'est à Richmond, la ligne gratuite que je peux téléphoner. Et un peu plus d'informations sur ce dépôt en particulier. Si je veux voir une carte entière de tous les emplacements des dépôts de l'ERA, je peux cliquer « Trouver un dépôt ». Et voilà une carte de l'Amérique du Nord. Et je peux trouver beaucoup d'endroits différents. Et ça, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui.